En ces jours de travail à Kindu, chef-lieu de Maniema, le numéro 1 de la territoriale, Basile Longopongo, a présidé une réunion de sécurité le vendredi 10 août au gouvernorat de la province du Maniema, en présence du gouverneur de la province AI, maître Jean-Pierre Amadi Lubenga, et le responsable de différents services de sécurité ici en province, en vue de trouver de pistes de solutions et faire régner la paix dans les sud Maniema. Au sortir de ces assises, le gouverneur AI de Maniema nous fait le point. Je dois d'abord commencer par rendre les hommages les plus déférents à son Excellence Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, qui, à la minute même qu'il a reçu les correspondances que nous lui avons adressées par rapport à la situation qui prévaut actuellement dans la province du Maniema et particulièrement dans la commune rurale de Salamabila, il n'a pas hésité un seul instant pour nous dépêcher, Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, pour venir s'enquérir davantage de quoi il s'agit exactement. À l'issue de cette rencontre que venait de présider Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, beaucoup de choses sur l'aspect sécuritaire à Salamabila ont été développées. En particulier, bien sûr, mais on a parlé des choses de la sécurité au niveau de la province en général. En ce qui concerne la situation de l'insécurité qui règne à Salamabila, nul n'ignore qu'à ce jour, il y a les otages qui ont été pris par un groupe rebelle. Et pour ça, il est venu. Parmi ces otages, il y a même des sujets expatriés. Voilà, il est venu échanger avec les responsables, les différents services de sécurité ici en province pour trouver des pistes et des solutions pour arracher comment on peut arriver à libérer ces otages. Beaucoup de choses ont été dites au cours de cette réunion et nous sommes en train de remercier son arrivée aujourd'hui dans la province. Je pense que son séjour ici sera porteur de beaucoup de solutions par rapport à cela.